creuset ne fera aucune distinction et visera tous les synthétiques. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. À quoi je dois m'attendre? Votre creuset semble être relativement intact. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux maçonneurs. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer les dégâts sans trop de problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Et les moissonneurs seront détruits? Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Thank you.
La guerre est finie. Les moissonneurs sont vaincus. Contre toute attente, face à la pire menace qui a jamais pesé sur la galaxie, nous avons tenu. Nous avons énormément perdu. Les relais sont gravement endommagés. Mais nous avons gagné. La victoire appartient à chacun d'entre nous. Chaque homme, femme et enfant. Chaque civilisation. Sur chaque monde. Maintenant que nous commençons à récupérer de nos pertes, n'oublions pas comment nous avons vaincu. Ce n'était pas la victoire d'une seule flotte, d'une seule armée ou même d'une seule espèce. S'il y a un enseignement à tirer de cette maudite guerre, c'est bien que l'union fait la force. Et si nous parvenons à dépasser nos différends pour arrêter les moissonneurs si redoutables, imaginez ce dont nous sommes capables maintenant qu'ils sont vaincus. Ça prendra du temps, mais nous pouvons reconstruire ce qui a été détruit. Nos maisons, nos mondes, nos flottes et nos défenses, tout cela et plus. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus grand qu'aucun ne pourrait envisager seul. Cet avenir, nous le devrons à ceux qui se sont battus, sacrifiés à nos côtés. Un avenir que beaucoup ne connaîtront pas. Bien que de nombreux défis nous attendent encore, nous pouvons les relever ensemble. Et nous honorerons ceux qui sont morts pour notre avenir.